C'est la période où il y a des suicides, mais il y en a de plus en plus. Pour ceux qui pensent non pas simplement à ces fêtes de fin d'année où ils seront seuls, où ils ont tout perdu, mais pour ceux qui pensent à 2021 et à ce qui a été annoncé. Je pense que c'est pas bien, de, comme ça, quand t'es président, d'annoncer que ça pourrait se bouger en juillet 2021. Ou de dire que les restaurateurs vont réouvrir le 20 janvier si jamais le chiffre des contaminations n'excède pas les 5000. Et vous en avez qui vont déprimer encore plus. Il ne s'agit pas donc de déprimer. Même une petite déprime, ça fait du bien. Peut-être une bonne déprime avant de toucher le fond de la piscine. Pas la piscine vide, hein. Le gouvernement touche le fond. Alors pensez au ski de fond. Le ski de fond, c'est ce qui fait penser au fond de l'affaire. Tu viens au fond, touche le fond pour remonter, justement, pas pour y rester, pour comprendre donc la base de tout, quoi. Tu te replugues. Ouais. Didier, ta doigt qui fume, bonjour. Merci d'être présent sur un direct où tu peux maintenant commenter. Mais vous pouvez tous commenter jour après jour. Et pour ceux qui veulent le faire le mercredi, c'est pour les membres. Voilà comment ça se passe. Et le dimanche soir, c'est pour l'accès live, pour ceux qui ont pris l'accès live. C'est important pour le créatif indépendant, et c'est mieux que Tipeee et Litchi, parce qu'ils le font déjà, mais YouTube l'a intégré. Il ne s'agit pas d'être dans une arnaque, vous vivez dans une arnaque. Il s'agit de penser à quelque chose qui soutient un créatif. Et on va se retrouver sur des lives dans quelques instants, quelques secondes, parce que c'est le créatif qui est soutenu. Il y a le coq-offre, il n'y a pas le masque, et il y a aussi ceux qui soutiennent, qui sont soutenus, auto-soutenus. Des fois, vous touchez le fond. Ouais. Béni, peut-être bien, ouais. Comment va? Bah, ça va, une petite fatigue, hein, qui est physique et qui peut toucher au mental, mais le mental n'est pas tellement touché parce que le mental est robuste. Et que, quelque part, c'est ce que vous faites, c'est ce que je fais jour après jour qui me permet de rester au-dessus de la ligne de flottaison. C'est-à-dire, tu respires encore. Tu respires dans ta tête, tu respires, tu te fais du bien, tu sais que tu vas continuer en 2021 et que tu es encore vivant en 2022, en 2023, en 2024. Oh, les Jeux Olympiques! Tu sais pas où tu vas être, peut-être encore là ou juste à côté là-bas. Il faut ouvrir les restos. Ce serait bien que les restos ouvrent avant les fêtes de fin d'année, quoi. Voilà, c'est pas parce que je suis fan d'Isabelle. Non, je suis pas fan d'Isabelle Adjani. Hein. La chanson, elle est sympa. Je vais vous laisser, on passe sur des lives. Et va falloir que je vous trouve un titre percutant. Faut que ça percute, faut que ça s'échange. Il faut libérer la parole complètement, ce qui n'a pas été fait sur YouTube. Même s'il y a des conditions générales d'utilisation sur des lives, il faut justement penser à la décentralisation avec le coq-offre, pas que le mamasque. Et vous allez être soutenu, vous allez voir. Il y en a qui donnent des sous, il y en a qui reçoivent. Et je suis pas tout seul à en recevoir. Voilà comment ça fonctionne sur des lives. C'est une blockchain, c'est une crypto, c'est un direct. C'est une possibilité, justement, d'ouvrir sa bouche sans jamais la refermer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de commentaires et qu'on est jusqu'à 500 simultanés et que ça fait du bien. Donc je vous donne rendez-vous sur deslive.tv/réservoir live et je remercie tous ceux qui se sont inscrits ce jour en section membre. Ça me va droit au cœur et droit aussi au portefeuille, bien sûr. Enfin, les deux, quoi. Les petits commerces des stations sont en train de crever ? Ouais. On a chacun son portefeuille, il peut être numérique, et logiquement, de plus en plus numérique avec 200 contacts. Le lien, bah tu vas l'avoir, Béni. On va te le fournir, le lien, forcément, avant de quitter. Le lien sera à votre disposition. Merci Gabi, merci Dani, merci Chantal. Merci, merci. Il faut annoncer la couleur, il ne faut pas mentir sur les choses. Il faut les dire, sans avoir peur de les dire. Ça ne veut pas dire qu'on est des truands ou quoi que ce soit, on vous précise les choses noir sur blanc. Voilà, c'est ce qui existe. Voici le lien de Daylive. Et on passe sur Daylive et je vais vous trouver un titre qui percute. Non mais Daylive, la proposition, c'est la décentralisation et la possibilité justement d'ouvrir sa bouche sans jamais la refermer. Pas pour les insultes, hein, on est élégant, on est classe, encore un club privé. Voilà. Non, sur Daylive, on pourrait parler justement... On pourrait parler de quoi d'ailleurs? J'ai du mal à trouver des titres des fois. Tu réessayes des lives? Ouais, mais il y a du monde, c'est une nouveauté, mais ça va rester. C'est plus qu'une mode, hein, c'est une révolution. Merci, merci vous tous. Je vous dis à tout de suite. Merci Mili, merci Béni, merci Yves. Merci pour les soutiens, merci pour les membres. On se retrouve tout de suite, on y va. Pas trop décalé, sinon après, on va faire tout nuit.
À tout de suite, merci vous. On y va.